Voilà. Ça marche bien. Ça marche super bien. Encore. Oula. Ouais. Aïe 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 aïe. Pardon. Excusez-moi, j'ai eu un. Bon, est-ce qu'on est prêt à la technique? Oui. C'est bon. On va pouvoir partir. Attention. Alex, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Notez le côté vintage quand même. Waouh. Ok. Donc alors, cette chanson parle de Chandy. Cette chanson parle des joies de la radio. Cette chanson parle d'un homme. Il a de la chance dans sa vie. Ce qui est mon cas d'ailleurs. Ça commence. C'est une chanson très autobiographique. Ok. 1, 2, 3. Et si tout le monde dans les studios tapait dans ses mains? Moi j'ai toujours rêvé d'être une immense rockstar. Avoir des milliers de fans, fini de jouer dans les bars. Je veux avoir un stade à mon nom. Les gens convergeraient par milliards et par trillions. Ils crieraient tous Pierre Glaïeul, Pierre Glaïeul, Pierre Glaïeul. Ouais. Ouais, en fait je me suis trouvé un super nom de scène. Et aujourd'hui c'est décidé, mon génie est à son apogée. Ouais, je vais voir le plus gros label de toute la contrée. Nom de Dieu. Car je suis un mec libre, un artiste engagé. Je veux mieux que tous ces crétins qui passent à la télé. Je suis contre les impôts, je suis contre la pauvreté. Je suis aussi contre les étrangers. Et je vous dois des explications pour ce passage. En fait à la base je voulais écrire: je suis contre ces salauds qui refusent le droit de vote aux étrangers. Mais je trouvais ça un peu long, alors je me suis dit qu'en expliquant ça restera un peu crédible. Ça reste crédible ? Non ! Ok ! Bon, je viens de sortir de l'entretien. J'ai vu le PDG et j'y ai serré la main. Il a dit: écoute petit, je vais être sympa, te parler franco, direct, ouais, comme ça. En tant que président directeur général de Mega Music Set International, ton album, en tout bien, tout honneur, c'est du vomi de putois, c'est de la pisse de chou-fleur, c'est contrefait, c'est archi obsolète, c'est de la bile de moineau, c'est de la fiente de belette. Enfin en gros, salut à ses plus. J'ai bien fait de venir, je suis même pas déçu. Mais au cas où je vais aller voir ailleurs, on sait jamais. Peut-être qu'il y aura une autre personne à qui je pourrais faire partager mon bonheur. Ouais, je sors d'un autre gigantesque label. J'ai pas vu le PDG mais sa secrétaire était belle. Elle m'a dit: qu'est-ce que tu mates comme ça pauvre taré, avec tes boutons et ton pauvre ukulélé. Mon bonhomme, je veux pas te faire de peine, mais t'as aucune chance dans ce métier. Et en plus, bah t'as mauvaise haleine. Au bout de 5 ans, j'ai fini par me faire une idée. Je suis trop avant-gardiste, les gens sont pas prêts à m'écouter. J'ai plus une thune, je me rappelle même plus comment est-ce qu'on fait pour prendre son petit déjeuner. L'autre jour, j'étais dans la rue à faire la manche. Un mec est arrivé vers moi. Heureusement que je l'ai vu, il m'a dit: eh dis donc mon gars, ta voix est jolie. Rejoins-nous donc à Radio Junty. On cherche des animateurs et si tu veux, bah, on t'engage sur l'heure. Pour ton handicap, c'est pas un problème, car dans l'équipe, on a tous mauvaise haleine. Tu vas t'amuser, tu vas voir. Ce sera fun. Tu seras pas payé, mais ce sera fun. Depuis j'anime de la radio, c'est génial, c'est trop rigolo. Je suis à Junty, 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 tout frappé dans les mains. Junty, 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 Junty. La radio des jeunes talents. Junty.
Moi aussi je t'aime Antoine.